Macronis, c'est une association, c'est un forum internet et une association d'une quarantaine de membres. C'est des grands enfants qui jouent au Playmobil encore. Et puis comme ils ne trouvent pas les Playmobil qu'ils veulent dans le commerce, ils les fabriquent eux-mêmes. Ils font ce qu'on appelle du custom Playmobil. Ils transforment sur une base de Playmobil pour avoir des personnages qui Scooby-Doo, qui la Panthère Rose, les Chrons. Un Playmobil de base, voilà. On prend de la pâte époxy, c'est un matériau bicomposant qu'on mélange à part égale. Une fois que la pâte est parfaitement homogène, on la sculpte de la façon qu'on veut. Voilà. On peut donner des formes, des pleins, des déliés. On peut lisser sur la matière de telle sorte qu'on ne voit plus la différence entre la jonction du personnage et de la matière. Voilà. Une fois que la pâte est parfaitement dure, rigide, on peut la poncer, la peindre. Je suis en train de réaliser sur la base d'un mouton Playmobil et un teckel. Le corps et la tête de Milou, enfin, c'est juste raccourcir un mouton. On peut très bien effectuer des personnages qui sont identifiables avec finalement pas beaucoup de travail, alors que d'autres qui semblent beaucoup plus simples vont nous demander beaucoup plus d'heures de travail.